Si vous aussi, vous avez toujours rêvé de vous balader avec un tigre dans la rue, un peu comme Ezekiel dans The Walking Dead, découvrez tout de suite mon top 3 des animaux de compagnie les plus improbables des artistes. Rossetti est un peintre, poète et écrivain britannique du 19e siècle. Il a peint par exemple ça. Mais il avait surtout un faible pour les wombats, un marsupial australien. Frida Kahlo était une artiste peintre mexicaine du 20e siècle. Elle adorait les animaux et s'est d'ailleurs souvent représentée sous leurs traits. Son petit daim apprivoisé n'est que l'un de ces animaux parmi des singes, un aigle et encore d'autres. Là, on a du lourd. Inutile de vous présenter Salvador Dali, peintre surréaliste espagnol. Excentrique par excellence, il avait deux oslos, une sorte de léopard de petite taille, ainsi qu'un tamanoir à qui il faisait même prendre le métro